Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'Airbrush et je vous propose une idée déco pour les fêtes, simple, facile à réaliser, on va revoir un petit peu les dégradés et j'aurai besoin en plus d'un gel or pour les petites décorations supplémentaires. Allez, on commence le tuto de suite. Donc vous avez l'habitude, la préparation du fond de la capsule. Vous m'avez jamais posé la question, mais de préparer un fond blanc, ça permettra à votre déco une meilleure accroche. Au préalable, j'ai quand même dépoli la capsule. Donc, on va faire un dégradé de 3 à 4 couleurs. Donc, le jaune, le orange, le rouge et le noir. Donc, vous avez l'habitude maintenant pour les dégradés. Donc, ça vous permettra de nouveau de vous entraîner. Et n'hésitez pas un petit peu à pencher votre aérographe pour pouvoir avoir une pulvérisation assez fine et peut-être aussi reculer parce que la distance permet d'avoir un grain très fin, donc le rouge. Après, si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir sur le rouge ou remettre un peu d'orange, c'est pas grave. Et le dernier dégradé, noir. Ensuite, on va poser le pochoir résille en diagonale. Vous aurez deux possibilités, soit vous allez pulvériser en blanc opaque ou soit vous allez pulvériser vers le bord libre de la capsule et vous allez remonter en faisant un dégradé pour avoir un peu de transparence. L'un ou l'autre, ça ne gêne pas. Là vous voyez, je suis revenue coloriser vers la résille vers le centre de la capsule. Ça me donne une idée pour faire une prochaine vidéo tutoriel de vous apprendre comment coloriser des motifs en noir et blanc. C'est pas compliqué, mais il fallait simplement y penser. Donc je pense que ça pourra vous servir pour une prochaine décoration et on aura un effet un petit peu de vitrail. Pour les étoiles, si vous n'avez pas des étoiles, si vous avez des flocons, ça fera l'affaire. Tâchez de trouver un bon compromis parce que, comme je vous l'ai dit répété, je sais que vous n'avez pas les mêmes pochoirs que moi. Ensuite, ça c'est du surplus. Comme je vous l'ai dit souvent, c'est au dernier décarrage, j'embellis ma capsule. J'ai voulu mettre du gel or. Donc laissez libre cours à votre imagination et elle n'en sera que plus belle, votre capsule. Il va me rester plus qu'à passer le gel de finition, donc attention, le gel de finition doit être extrêmement bien passé sous peine que le motif s'altère et que le gel de votre construction se fissure. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu me fera énormément plaisir. Partagez, je vous remercie beaucoup de votre soutien et de tous vos partages. Je suis ravie parce que, comme je vous l'ai dit, je suis une passionnée et j'ai de plus en plus d'abonnés, donc j'en suis ravie de faire partager cette technique à vous tous. Donc je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto de Nail Art. Je verrai ce que je vais trouver comme idée, ça sera une surprise. À très bientôt, merci à vous tous.